Une étape historique, jamais franchie. Comme à son habitude, le président américain n'a pas manqué de s'auto-congratuler au moment où un accord commercial a été trouvé avec la Chine. Le traité, qui devrait rentrer en application dans 30 jours, prévoit que Pékin achète pour 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires, et ce pour 2 ans, une manière de réduire le déficit commercial américain. Je veux juste dire que c'est un grand jour pour la Chine et les États-Unis. C'est un accord dont les gens parlent depuis 40 ans et qui n'a jamais pu être signé, même pas un bout de papier. Nous n'avons jamais eu d'accord. Et ce sera un grand accord pour les deux pays. En attendant la phase 2 de l'accord, les droits de douane américains continueront d'être appliqués sur les produits chinois. Un délai supplémentaire qui inquiète certains acteurs économiques aux États-Unis. Selon nombre d'économistes, ces taxes à l'importation coûtent très cher à l'économie américaine. L'accord contient également des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle. Les négociations de la phase 2 doivent débuter dès que possible.